beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Je vais me répéter. Je termine la semaine avec vous, et bien le vendredi. Donc nous sommes le vendredi 9 juin 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Aujourd'hui, les autosabotages. Un autosabotage est l'ensemble de comportements, d'habitudes et d'attitudes qu'une personne possède et qui l'empêche, n'est-ce pas, d'avoir la vie à laquelle, eh bien, elle aspire et qu'elle mérite. Très souvent de façon inconsciente, mais aussi de façon irrésistible. Je sais que ce n'est pas une bonne idée, mais je ne peux pas m'en empêcher. Eh bien, l'autosabotage peut se manifester par des actions, des non-actions, ou une voix qui tourne en boucle dans votre tête. Mais aussi par des circonstances externes qui ressemblent au, entre parenthèses, hasard. Vous savez que le hasard n'existe pas, hein, qui se répète dans votre vie, ou le fait d'attirer souvent, eh bien, le même type de personne ou de situation. Ces comportements, n'est-ce pas, eh bien, vous nuisent. Ils sont plus ou moins conscients et pèsent lourd sur le chemin vers votre bonheur et votre liberté d'être. L'autosabotage est une façon souvent inconsciente, eh bien, de vous punir de ce que vous avez pu vivre dans le passé. Celui qui a été critiqué, eh bien, se critiquera. Celui qui a été maltraité se maltraitera. Comment cela parle-t-il de vous? En quoi certaines personnes qui écoutent cette vidéo et qui vous parlent, vous sentez-vous concerné? Posez-vous la question. Cette carte, elle aimerait attirer votre attention sur certaines pensées, sur certaines situations, sur certains comportements qui paraissent le fruit du hasard alors qu'il s'agit en réalité, n'est-ce pas, d'un mécanisme très bien huilé que vous avez mis en place de manière complètement inconsciente. Alors, eh bien, une bonne partie de la guérison d'un autosabotage, n'est-ce pas, c'est de, en premier, de l'identifier, de vous voir faire sans jugement, dans l'acceptation, eh bien, de la partie en vous qui avait trouvé cette façon pour manifester une certaine souffrance du passé. Cette carte, elle vient aussi vous dire que vous êtes prêt aujourd'hui pour vous honorer, que vous êtes prêt pour prendre soin de vous, que vous êtes prêt pour vous aimer d'une manière, eh bien, inconditionnelle. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe. Vous pouvez vous accueillir et mettre la conscience au sein de vous.
vous pouvez transcender cet auto-sabotage. Vraiment, faut faire un travail sur vous. Et vous en êtes capable. Bien sûr, vous en êtes capable. Je mets la conscience dans mes pensées, actes, habitudes. Je me donne l'amour de manière inconditionnelle. Aimez-vous, aimez-vous, c'est important. Mais vous êtes prêt aujourd'hui. Vous êtes prêt. Très beau message, n'est-ce pas, pour terminer cette semaine qui fait réfléchir. Et encore une fois, ça va parler à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise et prenez ce qui vous parle. Je termine avec le petit oracle des fées. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Ne soyez pas trop patient. Non, ne soyez pas trop impatient. Il faut de la patience. Voilà. Ne soyez pas impatient. C'est une distorsion, n'est-ce pas, l'impatience. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler sur soi. Parce que lorsqu'on désire quelque chose, on le veut toujours tout de suite, n'est-ce pas? Je suis la même, mais j'essaye quand même de travailler sur cette distorsion. Voilà, on termine ici cette capsule. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end avec les vôtres dans l'amour inconditionnel. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et puis, on se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, je vous embrasse. À tout bientôt.